C'est formidable d'avoir la chance de travailler sur Cannes 1939 parce que c'est un événement qui n'a pas eu lieu. Pour un historien, un événement qui n'a pas eu lieu, c'est la tentation absolue. Et dans ce cas-là, la chance, c'est que les sources sont très nombreuses parce qu'il s'est arrêté deux jours avant de s'ouvrir. Il devait se tenir du 1er au 20 septembre 1939. La guerre éclate, donc il n'a pas lieu. Mais nous avons tout. Nous avons qui devait venir, nous savons quel film était sélectionné. Et il ne restait plus qu'à, si on peut dire ça comme ça, ouvrir les archives. Et on avait tout présent, y compris déjà des idées, des vedettes qui allaient venir et de la foule qui allait être là. L'origine du Festival de Cannes, on la trouve du côté de Venise. C'est à Venise en 1938 que les nazis, Joseph Goebbels en particulier, se débrouille pour contrôler le festival qui est la Mostra, le premier festival de films jamais créé au monde. Eh bien, en réaction à cette Mostra contrôlée par les nazis, on peut dire que le Festival de Cannes est créé par le gouvernement français et par les studios d'Hollywood. Le gouvernement français, c'est Jean Zay qui est à la manœuvre parce que lui, il est ministre des Beaux-Arts et le ministre des Beaux-Arts est à ce moment-là en charge, bien entendu, du cinéma. Et puis Jean Zay est aussi extrêmement intéressé par une politique antifasciste. La création de Cannes en 1939, c'est une création politique autant qu'artistique. C'est pareil pour les studios d'Hollywood. Ils s'opposent au fascisme et au nazisme pour des raisons économiques. Mussolini tente de contrôler les flux de films américains en Italie et il s'oppose aussi à ce que les Allemands cherchent à faire, c'est-à-dire à contrôler le palmarès. Donc en quelque sorte, Joseph Goebbels est aussi le créateur de Cannes. Ce qui est formidable, c'est qu'en 1939, Hollywood est à son apogée et que la sélection américaine, 12 films étaient prévus, est une sélection parmi laquelle il reste des films qui sont dans nos mémoires. Par exemple, le plus connu d'entre eux encore de nos jours, c'est Le Magicien d'Oz. Donc Judy Garland était prévu, bien entendu. Mais il y avait aussi le film formidable avec Jimmy Stewart qui s'appelle Mr. Smith au Sénat, qui est resté comme un autre des très grands films américains de cette production d'âge d'or. Et peut-être moins connu, mais par les amateurs extrêmement appréciés, Seuls les anges ont des ailes, film de Howard Hawks avec Cary Grant et Jean Arthur. Là, on a quand même dans le cinéma américain un apogée. Côté britannique, on a le dernier film de Hitchcock britannique qui est présent en compétition. Et côté soviétique, on a une sélection qui est brillante aussi, même s'il y a l'absence assez étrange d'Eisenstein, dont le Alexandre Nevsky vient de sortir, qui à ce moment-là est revenu dans l'orbite stalinienne et qui pourtant ne sera pas présent.